Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une commande de 20 étuis qui ont été commandés pour ce type de couteau qui n'est pas fini, bien sûr. Ces couteaux sont en cours de construction, de réalisation, et j'ai eu juste cette pièce pour les gabarits. Au niveau des étuis, donc c'est des couteaux réalisés par la coutellerie Lutsch. Voilà, en cours de réalisation, j'ai pas les modèles finis, donc impossibilité de vous les montrer. Donc j'ai fait 20 étuis identiques. Je vais pas tous vous les présenter puisque ils sont tous pareils. Donc une commande spéciale pour un comité d'entreprise du Metz Île-de-France, en département 85 Anatole. Donc des étuis marron, gold, avec leur logo, leur département. Cuir tannage végétal 2,5 mm. Étuis donc sur mesure pour ce type de couteau. Comme d'habitude, rivet simple à calotte, couture point cellier, cousu main, pastille de protection à l'intérieur pour pas abîmer le manche, finition des tranches autoconol. Le but est d'avoir une tranche douce, arrondie et si possible de ne pas voir les épaisseurs de cuir. Voilà, j'espère que le client sera satisfait. Donc tous pareils. Pour le gabarit. Voilà le produit fini. Départ pour Paris. Une vingtaine d'étuis quasiment identiques, et comme vous avez pu le voir sur des extraits de vidéo, je n'ai pas tout filmé le processus de fabrication des étuis. Donc vous partez bien sûr du couteau, réalisation du patron par rapport à la taille du couteau. Bon, moi j'aime bien ce style d'étui avec ce design, et ensuite donc vous l'adaptez à la taille en comptant l'épaisseur, la longueur et la largeur, en comptant aussi bien sûr l'épaisseur du cuir, le rabat, la place pour la couture qui généralement se fait à 3 mm du bord. Et voilà, vous tracez ça sur votre peau, vous découpez. Moi je précise que je fais tout à la main, découpage au cutter. Et ensuite, ponçage, travail des tranches. Pour ces étuis-là, mise en place des logos avant couture. Ensuite, vous montez le passant ceinture avec le rabat, les deux rivets, les pastilles de protection à l'intérieur. Donc, il y en a trois. Une protection au dos du bouton pression. Et une protection à chaque rivet simple calotte. Le logo avec ma signature. Et ensuite, une fois que ça est réalisé, ben, vous collez, vous cousez, et ensuite vous faites des finitions des tranches. Et il y en a qui mettent des finitions en protection sur les étuis. Moi je préfère appliquer un baume qui s'appelle aussi un baume américain, une crème. Ça a un petit peu l'aspect de la graisse, c'est de la graisse en fait, mais à base de cire d'abeille pour la protection. Car même si le cuir est vivant, même si heureusement pour elle la bête est morte, c'est comme votre peau,
il faut l'entretenir. Car à la longue, ça s'assèche, ça se patine, ça réagit au soleil. Ça a tendance à se patiner, à foncer. Donc il faut l'entretenir. Donc voilà le résultat pour cette commande. Qui, j'espère, fera des heureux. Avec de beaux couteaux. Fini, bien sûr. Et leurs étuis sur mesure. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour les notifications. Au revoir.